Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo info parce que j'ai été absente beaucoup. Ok, bon, 2 mois. Il y a quelques temps, j'ai fait une absence de 3 mois. De 4 mois, ben ça fait peut-être assez longtemps, mais bon. En tout cas, il y a quelques temps, l'année passée, j'ai fait une absence de 4 mois. Et là, ça fait 6 mois. 2 mois. Je suis vraiment, vraiment désolée. Parce que j'avais pas le temps. Puis, vu que c'était l'hiver. Ouais, c'était un peu l'hiver. J'ai pas le temps de faire beaucoup de vidéos. Parce que, j'ai pas le temps. Puis aussi parce qu'il y avait pas une très bonne luminosité. Parce que. Voilà. Donc là, je vais peut-être avoir encore une absence de peut-être. Mais peut-être que pendant quelques semaines, je ferai pas de vidéo. Parce que j'ai les examens du ministère qui arrivent bientôt. Puis après les vacances, je pense que je vais vous faire des vidéos. Parce que je pense pas que je vais être partie chaque jour de vacances. J'ai quand même 2 mois de vacances et 2 mois et quelques semaines, peut-être une semaine, je sais pas trop, et quelques jours. Et voilà. Donc, ma dernière vidéo, c'est tantôt que je l'ai faite, mais là, je fais une vidéo info qui dure pas. Donc, moi, je vois le temps ici, là, juste ici. En fait, c'est une vidéo info plus quelque chose que j'ai fait parce que tantôt, en fait, j'étais allée à un atelier chez Home Depot et j'ai fait une mouchoir Angry Bird donc, et j'ai eu des choses donc je vais vous les présenter tout de suite. Premièrement, j'ai eu un dessin pour l'activité du 11 juin. Mais pas parce que les informations aussi pour le dessiner. Parce qu'il y a des cocons de dessin, c'est ça le dessin. Voilà. Après, j'ai eu un certificat de réussite. Donc, je vais vous lire et c'est écrit dessus parce qu'il y a mon nom dessus. Donc, ce certificat atteste que moi, donc si vous avez vu le titre de ma chaîne, vous doutez sûrement de mon nom, a réussi l'atelier Nishore & Gibbon et a acquis des compétences en matière de bricolage sécuritaire. En ce 14 jours de mai, responsable des enfants, atelier pour enfants de Home Depot. Donc là, ça montre elle qui l'a fait, de s'écrire son nom. Je ne le dirai pas, parce que... Après, encore chez Home Depot, mais en fait, vu que j'ai fait l'atelier, fallait que j'aille tablier pour... c'est attaché ici, si ça va sur ma veste, sur la table et là sur mon clavier, mon tablier. Donc j'avais mis les clous parce qu'on avait des clous pour faire l'atelier, Nishore & Gibbon. Et bien je les avais mis dans ma poche, puis là j'ai pas pu les utiliser. Et là, vous avez vu mon nom, mais c'est pas grave. Et c'est comment on m'appelle mon nom. Après, j'ai mis mon premier écusson. Et je vais aller à elle du 11 juin, j'en avoir deux, donc je vais le mettre ici et là. Après, je vais le mettre en bas et tout ça. Et c'est écrit Home Depot, atelier pour un panier bas, le film, mais de me salut, comme ça, je vais le mettre. Okay. Après, donc, j'ai acheté des livres hier parce que c'était le salon du livre à mon école. J'ai acheté ce livre, donc presque populaire, de Aimé Agnaton. Je sais pas c'est quoi son nom. Journal à quatre mains de Léa Gourzoubet et Julie Graham-Sain. Donc là, j'ai lu tout ça depuis hier soir. Donc ça, c'est mon signe que j'ai fabriqué. Comme ça, puis on peut mettre des choses. Donc, si vous voulez que je vous montre comment on fait ce signe.
je vais vous le montrer. Donc, en fait, ça se présente comme ça dans le livre. Donc, c'est vraiment cool. Désolé. En fait, c'est le journal de deux BFF qui veulent populaire. Donc, c'est ça. Il m'a coûté 21,95$. C'est ça. Ensuite, j'ai acheté un autre livre. Donc, ça s'appelle... Bon, vous allez dire Herville, c'est quoi ça? C'est en fait si vous... L-I-V-E... L-I-V-R-E. Parce que c'est livre, mon livre à l'envers. Après, ben là, on va... C'est comme... si vous connaissez pas, c'est comme ça cache le carnet, mais... mais c'est... pas la même chose. Donc là, merci d'ouvrir ce livre. Tu t'attendras à tomber sur la page 1. Il manque un peu parce que là, si vous voyez, c'est la page 134. Et là, ben, c'est l'envers. Fait qu'il faut tourner le livre pour être au début. Après, il y a plein de choses. Par exemple, on en prend un. Au hasard, non. Donc ici, c'est tu as entre les mains livre, mon livre à l'envers. Prépare-toi à réfléchir à l'envers, à lire à droite, à gauche et de bas en haut. Stimule tout de suite ton cerveau en écrivant le message, suivant de la main gauche si tu es droitier ou de la main droite si tu es gaucher. Donc, je m'engage à réfléchir à l'envers pour remplir ce livre. Ici, il faut signer et il faut écrire notre nom à l'envers. Donc, celle-là m'a coûté 14,95. En fait, j'ai vu que c'était hier à mon école, donc hier c'était vendredi. Ben, on est allé voir avec ma classe. Moi, j'avais repéré ces deux livres-là. Donc, avec ce livre-là, c'est vraiment drôle. Lui, il y en avait juste un, donc l'autre, il y en avait deux. Et quand je suis arrivée, il y avait encore les deux. Comme ça. Vu qu'il y en avait juste un, ben, je l'ai caché en arrière de d'autres livres. Ouais. Puis personne ne l'a pris. Il y avait le 1 puis le 3. Donc, tous ces livres viennent de librairie Boyer. Si ça vous intéresse et si vous habitez au Québec ou au Canada, je sais pas. Si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour une nouvelle. P.O. Bye bye.